Boire une bière dans un bar ou se faire faire un dégradé chez le coiffeur, c'est de nouveau possible en Angleterre à compter de ce samedi. Entré plus tardivement dans le confinement, le pays est aussi plus à la traîne pour en sortir. Le coronavirus a tué plus de 40 000 personnes dans le pays et à Leicester, une zone de 600 000 habitants a même dû être reconfinée. Mais après 3 mois de restrictions, le retour dans les bars et la réouverture de certains commerces est un soulagement. C'est une très bonne chose que je puisse aller me faire couper les cheveux dans environ une heure. Je pense que les gens sont conscients, ils savent quoi faire maintenant. Bar, hôtel, salon de coiffure, cinéma ou encore musée, les Anglais retrouvent ainsi des libertés dont ils ont été privés pendant plus de 3 mois. À noter néanmoins que l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont adopté leur propre calendrier de déconfinement. En Irlande du Nord, par exemple, les bars et restaurants ont rouvert vendredi. Pour les séjours à l'étranger, les taux se desserrent également. Le gouvernement a annoncé vendredi que plus de 70 pays, dont la France mais pas les États-Unis, seraient exemptés à partir du 10 juillet de l'isolement obligatoire de 14 jours.